Salut la Navy, ici Kennedy pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag, le Winterlicious tag, c'est-à-dire le tag j'aime l'hiver ou I love winter, ou quelque chose comme ça. Vous vous demandez sûrement pourquoi je porte ma grosse chapka, je ne le sais pas moi-même, j'ai décidé de la porter et puis voilà, c'est tout. C'est un tag qui est composé de 12 questions et on commence tout de suite. Mon vernis préféré pour l'hiver, je dirais que c'est celui-là, le numéro 266 de chez Kiko. C'est un vernis bleuté, bleu électrique, que j'aime beaucoup mettre durant l'hiver. Et j'aime beaucoup l'associer avec des petites perles, la manicure caviar. C'est de chez Claire's, vous voyez, c'est des petites perles. J'applique mon vernis et ensuite je mets les petites perles sur un ou deux ongles et je trouve que ça fait très joli et très festif. C'est parfait pour les fêtes. Mon rouge à lèvres préféré pour l'hiver, je dirais le Ruby Woo de chez MAC. C'est pas forcément mon rouge à lèvres des fêtes, mais pour moi le rouge à lèvres des fêtes c'est un rouge à lèvres rouge. Peu importe la marque, peu importe qu'il soit brillant ou mat, qu'il soit un peu plus foncé ou un peu plus clair. Pour moi vraiment, les fêtes, c'est-à-dire Noël et le Nouvel An, c'est le rouge à lèvres rouge. Après, c'est vrai que pour les autres jours, pendant les fêtes ou pendant l'hiver même, j'aime beaucoup des couleurs comme celles que je porte maintenant, c'est-à-dire les couleurs dans les tons violets comme ce rouge à lèvres Uptown Mauve de chez Milani, où vous avez aussi le Rebelle de chez MAC. Donc voilà, des tons un peu violets comme ça, j'aime beaucoup pendant l'hiver, je trouve que ça fait très, très Reine des Neiges. Donc l'habit que je porte le plus pendant cet hiver, je pense que ça va être mon leggings de chez Bershka. Tout ce qui est slim ou leggings, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien avec ce leggings, en fait, c'est les petits détails ici, vous voyez. Ça change de texture et en bas, vous avez des petits zips. Vous avez également des petits zips comme ça sur les côtés. Le côté, c'est comme ça, en fait. Bref, vu qu'en France, hiver rime souvent avec froid, ben, je suis contente d'avoir trouvé ce leggings renforcé que je vais pouvoir porter tout l'hiver. Donc l'accessoire que je porte le plus durant l'hiver, c'est ce bonnet de chez H&M. C'est un bonnet H&M homme. C'est l'accessoire que je mets tout le temps quand je sors. Il me faut mon bonnet H&M. Pour moi, le meilleur moment des fêtes, c'est évidemment quand on était petit et que le 25 décembre, on se réveillait en pyjama et on courait pour aller chercher les cadeaux au pied du sapin et on était tous réunis, on ouvrait nos cadeaux, etc. Et puis ensuite, après, on partageait un grand repas familial. C'est vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai de Noël. Et c'est vrai que ça manque un petit peu cet esprit de Noël de quand on était enfant, où Noël était vraiment magique. Ma boisson préférée pour l'hiver, je dirais un bon thé chaud, un thé normal avec juste beaucoup de citron et beaucoup de miel, accompagné avec ça d'un muffin pomme cannelle du McCafé. C'est... rien que d'y penser, ça fait rêver. Mon film de Noël préféré, je dirais Maman, j'ai raté l'avion, parce que pour moi c'est le film de Noël par excellence, le film que je pense qu'on a tous regardé et c'est vraiment un intemporel que je pourrais regarder chaque année pendant les fêtes. Thank you.
Voilà, c'est ça ma chanson préférée pendant les fêtes, Holy Night, repris par Céline Dion. Je trouve que cette chanson est juste magnifique. Cette chanson, je peux l'écouter tout le temps, mais plus précisément pendant les fêtes, je ne passe pas une année sans écouter cette chanson. Je n'ai pas spécialement de bonbons ou de plats ou de chocolat que je préfère manger durant les fêtes ou que je préfère qu'on m'offre durant les fêtes. Quoique peut-être le foie gras. À part ça, ce que j'aime bien pendant les fêtes, c'est plus les repas un peu conviviaux. On se retrouve tous ensemble, où il y a la fraternité, la communion. On se retrouve tous ensemble autour d'un bon repas en général que maman a préparé, et c'est ça en fait mes plats préférés, ceux que ma mère prépare. Ouais. La chose que je préfère à propos de l'hiver, quand il n'y a pas de neige, quand il fait froid mais qu'il y a quand même le soleil qui vient taper, qui nous réchauffe. Et ces journées-là d'hiver, j'aime beaucoup les arbres où toutes les feuilles sont tombées, sans parler des fêtes, de Noël, de toute cette ambiance-là, de toute cette communion, de toute cette joie. Après, si on parle de neige, de froid, de verglas, de bus qui ne passent pas, de tout ça, oh my god. La première chose que j'aurais mis sur ma liste de Noël à envoyer au Père Noël serait, ça peut paraître bizarre, mais je pense que ce serait un disque dur externe, parce que maintenant que je fais des vidéos, j'ai plus de place du tout sur mon MacBook, ça devient une catastrophe à chaque fois quand je dois partager mes vidéos, quand même je dois me rajouter les vidéos sur mon MacBook, je supprime ça, enfin bref, c'est la folie totale à chaque fois. Du coup, il me faudrait absolument un disque dur externe, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, j'ai pas spécialement un cadeau que j'aimerais plus que les autres, donc je laisse le Père Noël décider ce qu'il voudra m'offrir cette année et si j'ai été sage. Mes plans pour ces vacances, ce sont travailler tout d'abord, il faut bien faire de l'argent, passer Noël en famille, le nouvel an, j'ai pas encore de plan pour le nouvel an pour l'instant, donc on verra bien. Dans tous les cas, rendre grâce à Dieu parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir tout ce que nous avons pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Et parce que c'est grâce à lui qu'on passera 2014. Surtout avoir une pensée pour les personnes qui passeront les fêtes tout seules ou dans la douleur d'avoir perdu quelqu'un ou dans la maladie. Une grosse pensée pour eux. Enfin, je prie fort pour vous. Donc voilà, la Navy, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le faire. Je tag toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Si vous voulez faire ce tag, je crois que ce tag... Ah, il est en train de manger. Ah, il est en train de manger la bestiole. Oh, it's disgusting. Je vous explique, dehors il y a une araignée qui est en train de dévorer une bestiole et il y en a une autre qui est prise dans ses filets et qui essaye de s'échapper, et je suis en train de vivre ça en direct live et ça me dégoûte parce que je déteste les araignées. On se concentre. On se retrouve très vite pour plein de nouvelles. Ah, je peux pas. Disgusting. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos d'hiver, de Noël, de fêtes. Tout ça arrive bientôt avec des collaborations en plus avec d'autres chaînes. Donc je suis super contente de vous montrer tout ça. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des commentaires, à mettre des j'aime. Enfin voilà, faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Donc en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Oui. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Bye bye.